Je remercie l'Éternel, notre Dieu, qui nous donne l'opportunité d'être là ce matin. Et ce matin, nous voulons parler. And this morning we want to speak. Ne crains rien. Do not fear anything. Christ est là. Christ is there. Amen. Amen. Ne crains rien. Do not fear anything. Christ est là. Christ is there. Nous allons lire dans le livre de Marc au chapitre 4. We'll read in Mark chapter 4. Le verset 35 à 41. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. May the Lord bless his. Bien-aimés, nous sommes dans ce monde. We are in this world, brethren. Où il y a plusieurs événements qui se passent. Where there are many events that are happening. Le pasteur José nous a dit la dimanche passé. Pastor José told us last week. Que actuellement il y a tension entre les États-Unis et l'Iran. That actually there is tension between Iran and the USA. Ça fait peur. It's making us afraid. Ça nous pousse à nous poser des questions. Est-ce que c'est la troisième guerre mondiale? We're asking questions. Is this the third world war? Oui, il y a pas mal de choses qui se passent dans ce monde. There are many bad things happening in this world. Si nous regardons en Australie. If we look in Australia. Ils ont fait presque deux mois. They've done almost 2 months. En train de lutter pour éteindre le feu. They're trying to get rid of the fire. Le feu a consumé tout. The fire has consumed everything. Le feu a consumé les animaux. The fire has consumed the animals. Il y a les êtres humains. There's all the humans. Il y a des maisons qui ont été ravagées. There's houses that have been ravaged through. Au moment où nous parlons, in this moment we are speaking. Dieu a fait grâce qu'il y a eu la pluie. God has given grace that there is rain. Mais cette pluie a encore amené l'inondation. But this rain brought more fire. Il vient de lutter avec le feu. With the fire. Mais ils sont en train de lutter maintenant pour arrêter l'inondation. Now they're trying to stop this fire. Il y a pas mal de choses dans ce monde. There are lots of bad things happening in this world. Il y a le Brexit à côté. Brexit is happening soon. Il y a des problèmes dans la famille royale. There is problems in the royal family. Il y a des problèmes qui se passent dans ce monde. There are problems that are happening in this ce world. Ces problèmes parfois nous poussent à nous poser des questions. These problems push us to ask questions. Il y a des paniques dans le cœur. There is panic in our heart. Parce qu'il y a des problèmes. Because there are problems. Oui, ces problèmes, mon frère et ma soeur. These problems, my brothers and sisters. Ça nous montre qu'une chose. It's showing us one thing. Parce que la Bible, l'écriture que nous venons de lire. The words that we are going to read. Ça se trouve aussi dans le livre de Matthieu, chapitre 8. Matthew chapter 8. Et dans le livre de Luc au chapitre 8. In the Luke chapter 8 as well. Dans ces deux chapitres. In those two chapters. La Bible nous dit ceci. The Bible tells us this. Jésus a dit aux disciples. Jesus said to the disciples. Passons de l'autre côté. Let's go to the other side. Parce que de l'autre côté. Because on the other side. Christ voyait une âme. Christ saw something. Qu'il devait sauver. That he had to save. Qu'il devait être guéri. That had to be healed. Qu'il devait être délivré. That had to be delivered. Une âme qui était de l'autre côté. A soul on the other side. Qui était dans la souffrance. That was suffering. Qui était dans la peur. That was in a fear. Mais Christ devait se rendre pour sauver cette âme. But Christ had to go on that side so he could save je that soul. Je voudrais te dire, mon frère et ma soeur, I want to tell you, my brothers and sisters, the church Jésus of God. Jésus est sur ton chemin. Jesus is in your Christ way. Est sur ton chemin. He's on your road. Peut-être tu as peur ce matin de quelque chose. Maybe you are afraid of something this morning. Mais j'aimerais te dire. But I would like to tell you. Tu n'as pas raison d'avoir peur. You have no reason to parce be afraid. Parce que le Seigneur Jésus est sur ton chemin. Because the Lord Jesus Christ is on il your path. Il vers toi. He's coming towards pour you. Pour te sauver. To save you. Peut-être tu viens à l'église chaque dimanche. Maybe you come to church every single mais Sunday. Mais au-dedans de toi. But inside of tu n'as jamais accepté Christ comme Seigneur et Sauveur you dans have ta never vie. Accepted Jesus Christ as your Lord et and Savior. Frères et sœurs, brethren, brothers and sisters. Ce matin, j'aimerais te dire la bonne nouvelle. This morning, I would like to tell le you the Seigneur good news. Est là pour te sauver. The Lord is there to save il est là pour te donner la vie. He's there to give you life. Le Seigneur est là pour te donner ce qui te manque. He's there to give you what's missing. Peut-être tu te poses des questions. Maybe you're asking yourself questions. La maladie qui est dans mon corps. The sickness that is in my body. J'aimerais te dire ce matin. I would like to tell you this morning. Le Seigneur est sur le chemin. The Lord is on your il path. Il a dit, parle, mais tu es sûr, vous serez guéri. He said that you will be healed. Il vient vers toi. He's coming towards pour t'apporter me. La guérison. To give you healing. Peut-être tu es tourmenté. Maybe you are tormented. Tu veux arracher tes cheveux. You want to take off your tu hair. Tu veux déchirer les habits. You want to tear your clothes. J'aimerais te dire que le Seigneur est sur ton chemin. I would like to tell you that the Lord is
vers toi. He's coming towards pour te restaurer. To restore il vient vers toi. He's coming towards pour te donner la paix. To give you pour peace. Te donner la paix to et la joie dans ton cœur. Christ est sur ton chemin. Christ is on your car path. La Bible déclare because the Bible je declares. Connais les projets que j'ai formés pour toi. I know the projects are for projets de paix et de bonheur. Projects of peace and mon frère goodness. Et ma soeur. My brothers and sisters. J'aimerais te dire ce matin. I would like to tell you Christ this morning. Christ est là. Christ is il there. Est là à côté de toi. He is there next car to you. Il est écrit. Because it's written. Dans la parole de Dieu. In the word of God. L'Éternel notre Dieu. The Lord our God. Ordonne à ce que l'ange. Il ordonne à ce que ceux qui craignent l'Éternel. He gives to those who fear que l'ange campe autour d'eux. That the angels will be around. Oui, Dieu est là ce matin. God is there this morning. Christ est là ce matin. Christ is there this morning. Tu n'as pas à avoir peur. You don't need to have Jésus fear. A dit aux disciples. Jesus said to the disciples. Passons de l'autre côté. Let's go to the other side. Mais ils ne savaient pas qu'est-ce qui devait arriver sur leur trajectoire. They didn't know what was going to happen on their pathway. Seul Dieu seul connaît. Only God knew. Hallelujah. Amen. Seul Dieu seul connaît. Only God knew. Mais les disciples ne savaient rien. But the disciples knew nothing. Pour eux, ils pensaient que nous allons de l'autre côté pour nous reposer. For them, it was we're going to the other side so we can rest. Parce que ce qu'il a fait au milieu de nous. Because what he has done in the midst of us. Peut-être il est fatigué. Maybe he's tired. Nous devons aller de l'autre côté. We have to go to the other side. Vous savez, bien-aimés frères et sœurs. Do you know that brothers and sisters? Un jour, je me suis retrouvé à Mbujimayi. One day, I found myself in Mbujimayi. Par curiosité. By curiosity. Je voulais aller rendre visite aux Crézeurs. Ils étaient de l'autre côté de la ce qu'on appelle rivière Lubilange. They were on the other side of what we call the river Lubilange. Quand j'étais au bord, when I was on, je vis ces rivières comme from here jusqu'à cette porte là. I saw the river, the width was from here to the other side of this river. Et je me suis dit non, je vais passer. And I said no, I have to get across. Alors ma mère a beaucoup insisté, est-ce que tu es sûr que tu vas traverser? My mother insisted, are you sure you're going to go on this way? J'ai dit oui, je vais aller voir les creuseurs. I said yes, I'm going to see the diggers. Quand je me suis embarqué. When I embarked on the shovel. Bien aimé, je fus cette rivière là. I saw this river. Comme from here to Medina. I saw it from here to Medina, it was longer. J'ai eu peur que vous n'avez jamais eu d'idée. I was so afraid you cannot understand. Alors on m'a demandé de tourner mon dos. They asked me to turn my back. Là où nous partons. From where we were going. Pour regarder de là où nous venons. So I could look at where we have already parce gone. Parce que j'avais peur. Because I was afraid. Je me disais peut-être l'hippopotame ou le crocodile peut sortir ici. He said maybe a hippo or a crocodile can come and come out of here. Mon frère et ma sœur. My brothers and sisters. Ce n'est pas comme les croiseurs que vous voyez. It's not like these other things that là, you see. Là c'est la pirogue. That was. Je me suis emporté dedans. I was inside of it. Mon cœur battait que vous n'avez pas d'idée. My heart was beating like you wouldn't je dis, know. On va arriver quand on dit on va arriver bientôt. I was asking when are we going to get there? He said we'll get there soon. Vous faites ça chaque jour. He said you do this every day. Oui, nous le faisons chaque jour. He said yes, we do this every day. Mais regarde, je suis arrivé de l'autre côté. When I got to the other side, j'ai demandé Seigneur, est-ce qu'on peut pas envoyer l'hélicoptère pour me ramener là? I said God, can you not send a helicopter to take me back? Parce que je devais utiliser le même moyen. Because I had to use the same way to get back. Retourner à la maison. To go back home. Alors Jésus a demandé aux disciples de passer de l'autre côté. Ils étaient aussi dans la barque. So they were also on the boat. He asked them to go to the other side. Et ils ont commencé à traverser. And they started to go. Et la Bible nous dit tout d'un coup. And the Bible says to us. Il y a eu la tempête. That there was a storm. Suddenly. Quelque chose peut se produire dans l'église. Something can happen in the church. Tout d'un coup. Suddenly. Quelque chose peut se produire dans ta vie. Something can produce itself in your life. Tout d'un coup. Suddenly. Quelque chose peut se produire dans votre ménage. Something can happen in your life. Ce n'est pas que vous avez préparé ces choses. It's not that you have prepared for these things to happen. Mais c'est quelque chose qui arrive. But it's something that just happened. Il y a trois jours ou deux jours. It's 2 or 3 days ago. Nous avons vu au sky, on a dit. We saw in sky. Une partie de Glasgow, une partie de Irlande. A part of Glasgow, a part of Ireland. Je crois mardi et mercredi, il y a eu la tempête. There was a storm there. Ces gens
La police a dit de fermer leur maison, de fermer les fenêtres, de ne pas sortir. They had to not go out and close all the doors and windows. Parce que la tempête devait les emporter. Because the storm was going to sweep everything. C'est quelque chose que ces gens n'ont pas préparé. This is something that they were not prepared for. Mais c'est quelque chose qui arrive. But it's something that just happened. Tout d'un coup. Suddenly, quelque chose arrive. Suddenly something happens. Et ce qui arrive. And what happens? Crée la peur dans nos cœurs. Creates fear in our heart. Crée à quoi te poser des questions. It makes us ask questions. Tout d'un coup. Suddenly, quelque chose arrive. Something happens. Tout d'un coup, c'est la maladie. Something suddenly is sickness. Qui arrive. That arrives. Tout d'un coup. Suddenly. Tu apprends une mauvaise nouvelle. You found out bad news. Tout d'un coup. Suddenly. On te dit que les enfants sont malades. They'll tell you that your kids are sick. Mais tu n'as pas planifié. But you didn't plan for this. L'ennemi ne te laissera jamais évoluer. The enemy will never let you to evolve. Parce que le destin que Dieu a préparé pour vous. Because the destiny that God has prepared for you. C'est le destin de paix et de bonheur. Is the destiny of peace. De la manière dont Christ a demandé aux disciples. In the way that Jesus Christ asked the disciples to go to the other side. Donc Christ était en mouvement. He was in movement. Nous aussi nous devons être en mouvement. We also have to be in movement. Nous ne devons pas rester sur place. We can't stay where we are. Nous devons nous déplacer. We have to move. Nous devons confesser. We have to confess. En traversant avec l'Éternel notre Dieu. That we are walking with God. Mais tout d'un coup. But suddenly. Il y a le vent qui arrive. There's a storm that comes. Pour perturber, pour t'empêcher à ne plus atteindre votre destin. To stop you from getting to your destiny. Atteindre votre objectif. To stop your objective. Ça c'est l'œuvre de l'ennemi. That is the work of the enemy. Mais j'aimerais te rassurer. But I would like to reassure you. Christ est là. Christ is there. Il est là. He's there. Il a dit, je ne t'abandonnerai pas. He said, I will never abandon you. Je ne te délaisserai pas. I will never forsake you. Je serai avec toi. I will be with you. Israël était en Égypte. Israel was in Egypt. Mais Dieu les a dit d'aller dans la terre promise. But God told them to go to the promised land. Ils ne savaient pas qu'est-ce qui va se passer sur le chemin. They did not know what would happen on their pathway. Mais l'Éternel notre Dieu était avec eux. But the Lord our God was with them. Quand ils sont arrivés devant la mer rouge. When they came in front of the Red Sea. La Bible nous dit. The Bible tells us. Dieu a dit à Moïse. God told Moses. Dis aux enfants d'Israël. Tell the children of Israel. Ces ennemis que vous voyez, vous ne les verrez plus. Those enemies that you see, you will no longer see. Dieu a bloqué l'armée de Pharaon. God blocked Pharaoh's army. Oh, quel mystère. What mystery? Dieu a bloqué l'armée de Pharaon. He blocked Pharaoh's army. Et il a opéré le miracle. And he operated a miracle. Sur la mer rouge. Over the Red Sea. Et les enfants d'Israël, ils ont traversé. And the children of Israel were saved. J'aimerais te dire, l'Éternel notre Dieu est avec toi. I would like to tell you that the Lord God is with you. La situation que tu traverses. No matter the situation you are going through. La main de Dieu est sur toi. The hand of God is on you. La main de Dieu est sur votre maison. The hand of God is on your house. La main de Dieu est sur vos enfants. The hand of God is on your children. No matter the event. Dieu est avec toi, mon God frère is with you, my brothers and sisters. Dieu détient ton problème. He is holding your et problem. Il te dit, avance. And he's telling you, go forward. Il n'a pas dit aux enfants d'Israël. He didn't tell the children of Israel to go backwards. Mais il les a dit, but he told avancer. Them, go forward. Oh, bien-aimés, frères et sœurs. Brethren, my brothers and sisters. N'aie pas peur. Don't be afraid. D'affronter. Of going in front. De peur que tu perds ta vie. Facing the fear that you have in your life. Il y a parfois les gens qui prennent des décisions. Sometimes there are people who take decisions. Il dit, je veux faire telle chose. He says, I want to do this. C'est bien pour toi. That's good for you. Mais puis tu te dis. But then you say to yourself, je préfère un peu rentrer. Maybe I need to mais run quand tu rentres, but when you go backwards, tu ne sais pas qu'est-ce qui t'attend. You don't know what's waiting for you back. Amen. Amen. Frère. Brother. Les diables se cachent toujours dans des petits détails. The devil is always hiding in the small details. Des petits détails que toi tu ne connais pas. The small details that you don't know. Il se cache dedans. He's hiding inside of us. Notre premier point. Our first point. La tempête est inévitable. The storm is inevitable. La tempête est inévitable, mon frère et ma soeur. You can't stop the storm from happening. Ou la tempête est fatale. It's fatal.
C'est-à-dire, it means, tu t'en perds et tu es en train de partir. You are going, tu t'engages à faire quelque chose. You are engaging yourself to do que l'Éternel, notre Dieu, te dit de faire. That the Lord has told you to mais do. Sur ton chemin, but on your pathway, le diable va chercher à te contrecarrer. The devil is looking to trouble you. À t'empêcher à ne plus atteindre votre objectif. To stop you from getting to your objective. Parce que lui, il s'est préparé. Because he prepared himself. Pour te contrecarrer. To trouble your ways. C'est quelque chose qui est inévitable. This is something that you cannot stop. Dans notre vie chrétienne, in your Christian life, il y a des choses qui vont arriver. There are things that are going to happen to you. Oh, frères et sœurs, brothers and sisters, ce n'est pas parce que nous prions. It's not because we pray. Il y a des choses qui ne peuvent pas arriver. Il y a des choses qui vont arriver. There are things that are going to happen to you. Nous devons toujours nous attendre à ces choses-là. We need to be ready for these things to happen. Parce que l'ennemi ne te laissera pas partir tranquille. Because the devil is not going to leave you to go. Il est écrit. It is written. Quand Christ a fini d'être baptisé, when Christ was finished getting baptized, la Bible nous dit l'esprit lui a conduit dans le désert. The Spirit led him to the et desert. Dans le désert, and il a eu desert, un temps de prière. He had a time of prayer. Et sur ce chemin, and on his way, le diable est venu. The devil came. Frère, brother, Jésus était 100% Dieu, 100% homme. Jesus was 100% man, 100% mais si God. Le diable est venu pour empêcher Jésus, but if the devil came to stop Jesus, à combien plus forte raison vous et moi? How many more times you and me? Yes. Hallelujah. Amen. Parce que le diable connaissait que l'objectif de Christ, because the devil knows that the objective of Christ, d'amener la bonne nouvelle, is to bring good news, de vous sauver vous et moi, to save you and me. Il avait la mission de nous sauver. He had the mission to mais save sur ce chemin, but on il y a quelque chose qui était inévitable. There was something that was inevitable. C'était le plan de l'ennemi. That was the plan of the enemy. Dans votre vie, in your life, dans votre foyer, in your dans house, la vie des études de tes enfants, in the life of the il y a des choses inévitables there are inevitable qui peuvent arriver. You can't stop, mais ces choses peuvent arriver. These things can come. Oh, bénis l'Éternel ton bless Dieu. The Lord your ne word. Reste pas sur place. Don't stay where ne you are. Ne ferme pas tes mains. Don't cross your arms. Lève-toi. Stand et up. Et marche avec le Seigneur ton Dieu. And walk with the Lord car your God. Il est avec toi sur ce chemin. Because he is with you on your pathway. Il ne te laisse pas toi seul. He will not leave you alone. Des menaces de mort. Because you are dangerous. Mais lève-toi. Stand up. Ne fléchis pas les genoux. Don't go. Ne crains rien. Don't fear ne pleure pas. Don't cry. Mais confie-toi dans la main de l'Éternel. But confide in the hand parce of que tu n'es pas seul dans ces combats. Because you are not alone. Oh, la Bible déclare dans le livre de Ésaïe. The Bible declares in the book le combat est à l'Éternel. The fight is the Lord. Le combat n'est pas à nous. It's not for mais us le combat appartient à l'Éternel. But the fight belongs to the Lord. Il y a des choses inévitables. There are inevitable qui va arriver et qui arrivera. That will come and will mais ne recule pas. But don't fear. Ne recule pas, don't mon frère. Go backwards. Va de l'avant. Go forward. Lève la peur dans ton cœur. Christ est là. Christ is there. Amen. Christ est là. Christ is there. Regarde ce qui est positif. Look at what's positive. Alléluia. Amen. Regarde ce qui est positif dans ta vie. Look at what's positive in your life. Parce que votre destin, because your destiny, est entre les mains de Dieu. Is in the hands of God. Vous savez, les gens qui n'ont pas de destin, you know people that don't have a destiny, ils sont faciles à critiquer. It's very easy for them to criticize people. À critiquer. To criticize people. Pourquoi? Parce que tu n'as pas d'objectif. Because you don't have an objective. Tu peux arriver à l'église. You can come to church. Tu commences à regarder seulement les choses qui ne te plaisent pas. You start looking at the things that don't please your donc, eyes. Tout ce qui ne te plaît pas. So everything that doesn't please malgré you. Malgré qu'on peut prêcher la parole, l'homme de Dieu transpire. Even though they can preach the word of on God, the man of God, la bonne nouvelle. We prophesy mais good toi, dans ta tête, for you in your head. Parce que tu n'as pas l'objectif. Because you don't have an objective. Tu prends seulement les choses pour critiquer. You only take things to criticize. Tu es là seulement pour critiquer des couples. You are only there to criticize couples. Dans ces couples-là, in this qu'est-ce couple, que toi tu vois? Qu'est-ce que tu veux voir? What do you want to see?
dans la vie de tel enfant. Tu in vois, the life of mais qu'est-ce que tu veux voir? What do you want to see? Ma soeur, qu'est-ce que tu veux voir? What do you want to see? Donc toi, ton objectif, c'est de critiquer. So you, your objective is just Église, to criticize. Nous devons sortir de ces choses. We need to come out of these things, church. Nous devons nous débarrasser de ces choses. We need to take ourselves off from these. Tu critiques n'importe quoi. You criticize things that don't matter. C'est plus facile de critiquer peut-être c'est parce que ça ne t'est jamais arrivé. Maybe it's easy for you to criticize because it's never happened to you. Amen. Quand ça va t'arriver, when that happens to you, tu n'auras pas ce courage-là de critiquer. You won't have the courage to criticize. Nous devons sortir dans les surplaces. We have to come out of the place where we were standing. Et allons avec le Seigneur. And go with the Lord. En cela, nous devons nous positionner dans le Seigneur Jésus. We have to position ourselves in the Lord Jesus. Parce que si vous lisez dans le livre et dans d'autres chapitres, because if you read in other chapters, même dans ces chapitres, even in this chapter, au verset 36, qu'est-ce que la Bible nous dit? J'aimerais prendre toute la dernière partie. La Bible dit, il y avait aussi d'autres barques avec nous. There were also other boats with him. Hallelujah. Amen. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Verse 36, there were also other boats with him. C'est-à-dire dans votre parcours. It means that in your way, il y a les gens qui vont vous accompagner. That were going to be with you. Mais une fois le problème arrive, for if a problem comes, ces gens seront les premiers à vous abandonner. They will be the first people to leave you. Quand tout va bien dans votre vie, dans votre ministère, when everything is going well in your life and your ministry, tout le monde est là pour vous acclamer. Everyone is there to clap for you. Tout le monde est là pour parler de bien de vous. Everyone is there to speak good mais about you. Mais une fois you. La tempête s'élève, for one time a storm comes. La Bible nous dit il y avait d'autres barques avec lui. The Bible says to us that there were other boats. Mais quand il y a eu la tempête, but when there was a storm, on nous parle pas, je ne sais pas, on nous parle pas de ces barques. We don't talk about these other boats. Mais on nous parle de Jésus et des disciples. We talk about Jesus and the disciples. Est-ce que d'autres barques là the other boats étaient aussi avec Christ ou ils ont oublié? Or did they go backwards? C'est pour te dire, that's to say to dans you, votre chemin, in your pathway, il y a des gens qui vont vous abandonner. There are people that will abandon you. La, ta famille va t'abandonner. Your family may abandon tu you. Tu as les problèmes dans votre ménage. You have problems les gens your... vont t'abandonner. In your house, people tu can abandon you. Problèmes au travail. There are problems in your les work. Les gens vont t'abandonner. People can abandon you. Il y a des problèmes à l'école. You have problems at il school. Il y a des amis qui vont t'abandonner. There are friends that will abandon mais you. Mais j'aimerais te rassurer. But I would like to reassure you. Il y a quelqu'un à côté de toi. There is someone beside you. Jésus Christ. That is Jesus Christ. Parce qu'il y avait d'autres barques. Because there were other boats. Où est-ce qu'ils sont partis? Where did they go? Et il est allé se mettre là où il y avait le feu. And he put himself where there was a fire. Une femme est arrivée. Somebody came. Mais toi, ta manière de parler là. The way that you speak. Tu es né de nouveau, n'est-ce pas? You were born again. Tu is es, it not? Tu as Christ en toi. You have Christ in you. Non, je ne sais pas. No, I don't know. I don't know him. Il y a des choses bien aimées. There were things, brother, quand on t'annonce, when they announce it to you, le diable viendra te proposer notre chemin. The devil will propose to you a different path. Hallelujah. Ce chemin que le diable viendra te proposer, this way that the devil proposes, pour te détourner, is to take you off course. Amen. Dieu a dit à Satan, God said to Satan, tu peux toucher les biens de Job. You can touch Job. Mais ne touche pas Job. Oh, you can touch the things of Job, but don't touch Job. Et quand la souffrance est arrivée, when suffering came, la femme de Job est arrivée. Job's wife came. Elle a dit, maudit Dieu et tu meurs. And said, curse God and die. Et les trois autres amis quand ils sont arrivés, and the three friends when they came, ils ont fait 1 week qu'ils ne parlaient pas à Job. They did 1 week without speaking to Job. Il y a des choses qui arrivent. There are things that come. Les gens vont t'abandonner. People will abandon you. Mais il y a un homme but there is a man qui ne t'abandonnera pas. He will never abandon you. Il est toujours avec toi. He is always with you. Ne crains rien. Don't be afraid. Quel que soit ce qu'on t'a annoncé. No matter what they've told ne crains you, rien.
Don't be afraid. Parce que ta vie est entre ses mains. Because your life is enlève la peur en toi. Take off fear. Ne regarde pas la tempête. Don't look at the storm. Mais regarde dans l'Éternel. But look at the Lord. Positionne-toi dans les semaines, dans l'Éternel. In the Lord. Place ta confiance dans le Seigneur. Put your confidence. Toi et ta famille, confiez-vous dans le Seigneur. Trust in the Lord. Marchez avec l'Éternel. Walk with the Lord. C'est une barque qui rassure. It is a boat that is reassuring. Dieu a dit à Noé. God said to Noah. De bâtir l'arche. Les gens se moquaient de Noé. They mocked. Laisse que les gens puissent se moquer de toi. Let people mock la situation you. Que tu traverses, the situation you're ce n'est pas la fin du monde. Mais derrière the cette situation, behind this il y a la gloire de Dieu. There is the glory of car God. Il est écrit, because it is written, la dernière gloire sera plus grande que celle de la première. The last glory will be greater quelle than the first glory. Quelle est cette situation que tu traverses, the situation that you're laisse going que les gens se moquent de toi. Let people mock mais you. Toi, regarde l'Éternel. For you, look at the Lord. Parle à l'Éternel. Speak to the Lord. Dis Seigneur. But say Lord. Je viens me confier en toi. I am coming to show oh, bien aimé frères et sœurs. Brethren, brothers la tempête s'est levée. The storm les disciples ont commencé à pleurer. His disciples oh, quel est cet homme pendant que nous sommes en train de souffrir? Who is this man and when we are suffering? Mais lui, il dort profondément. He is sleeping. Est-ce qu'il ne sait pas que nous sommes en train de souffrir? Does he not know that we are est-ce qu'il suffering? Ne sait pas que nous sommes en train de périr? Does he not know that we are est-ce perishing? Qu'il ne voyait pas que nous sommes en train de mourir? Can he not see that we are dying? Est-ce qu'il ne voyait pas qu'on est en train de nous déloger dans la maison? À cause des finances. Because of finances. Est-ce qu'il ne savait pas que je suis déclaré malade? Did he not know mais that pourquoi I'm sick? Il est là? So why is parfois there? On te pose la question dans ce que tu traverses. Où est ton Dieu? Where is your mais God? J'aimerais te dire like il est écrit that it is written, je fais la différence that I will make a entre difference. Ceux qui ne me servent pas et ceux me. Qui me servent. Bien-aimés frères et sœurs, brethren, brothers, ton Dieu est là. Your God ils is étaient there. En train de lutter. He is there. Tu ne marches pas seul. You did not walk tu alone. Marches avec l'Éternel. Parce que les choses de l'Esprit marchent avec l'Esprit. Walk with the les choses spirit. De la chair the things of the flesh. Marchent avec la chair. Walk with the flesh. Les disciples ont pris leur cantique. The disciples put their ils ont pris les seaux. They took pour enlever l'eau dans la barque. To take away tu te bats avec toi, mon frère et ma soeur. Alléluia. Voilà pourquoi là où j'ai aimé le pasteur José a dit. That's why I liked it when il faut ouvrir les yeux pour voir qui sont avec toi. You have to open your eyes to see who comme Josué a dit. Like Joshua said. Es-tu de notre ou de nos ennemis? Are you on our side or the enemy? Es-tu de notre ou de nos ennemis? Are you with us or against parce us? Qu'il s'est retrouvé devant un combat. Because he found himself in the middle of fighting. Mais à côté de lui. But next to him, Christ était là. Christ was there. Cet homme lui a dit, this man je suis le chef de l'armée de l'Éternel. I am the head oh, of the army of the Lord. Dire, mon frère et ma soeur, I would like to tell you, brother, fortifie-toi. Fortify yourself. N'aie pas peur. Don't be afraid. Ce combat que tu as. This fight you ça are going pas through, à ta mort. It will not lead si you to death. Est passé, if someone has gone through it, toi aussi, tu vas passer comme lui. It doesn't mean you're going tu to pass in the same way. Dans le plan de Dieu. You are unique in n'aie the plan pas of God. Peur. Don't be afraid. Enlève la peur dans take ton away. Cœur. Oh, parce qu'on parle, il y a des buses sur les nets. Because we are seeing so many bad things. On parle des divorces. We talk about the divorce. Tu te poses aussi la question, moi aussi, je vais me divorcer. You ask yourself, je vais te dire, tu ne vas pas divorcer. I would like to tell you, et ton mariage va vivre au nom de Jésus-Christ. Your marriage will live in the name of Jesus. La première tempête, the first storm, inévitable. Is inevitable. Et la deuxième tempête, and the second storm, c'est une tempête imprévisible. It's one that you couldn't see happen. Hallelujah. Imprévisible. That you didn't see happen. Qui ne peut pas être prévu. That was not pre-planned. Hallelujah. Quelque chose imprévisible. That you didn't see happening. Hallelujah. Tu es en train de progresser. You are progressing. Tu es en train de marcher. You are walking. Tu es en train de te déplacer. You're going tu out of the place that you were. Place. You're not in the same place mais tout anymore. En étant en train de progresser. You're progressing now. Mais tout d'un coup. But suddenly, tu es effrayé. You are scared. J'aimerais prendre cet exemple banal. I would like to take this example. Au mois de novembre ou décembre, il y a toujours goose fair ici. In November, in October, there's goose fair. Yeah.
Et on installe beaucoup de machines, je ne sais pas comment vous appelez ça. And they make the machines, the rides that you go. Il y a des machines qui vous fait monter, qui vous fait ça, qui There's vous roller coasters, fait de vous déplacer de gauche et de droite. The big spin thing, yeah, roller coaster. Mais une fois t'embarqué dans cette histoire, But to go in this place, quand on appuie les boutons, ces histoires vous amènent en haut. They will take you up. Vous êtes obligé d'aller en haut. Now you're going up. Ou d'aller à gauche. Or going left. Ou d'aller à droite. Or going right. Ça vous fait à descendre. It's making you go down. Ça vous fait monter encore. It's making you go up Mais, again. Mais mon frère et ma soeur, tu ne vas pas t'arrêter quand tu es en haut. And then you won't even stop when you're up. Parce que tu es déjà en haut. Because you're already up. Tu ne vas pas dire arrête. You won't say stop. Mais tu es déjà en haut. You're already up there. Ça te mène de gauche et de droite. It's taking you left and right. Une fois dans ces choses. But in these things. Ça t'amène de gauche et de It takes you left and right. C'était pareil aussi avec la mer de Galilée. It was the same thing with the Sea of Galilee. Il y avait des montagnes à gauche et There à droite. There were mountains left et and right. Et l'eau montait en haut. And then they went up. C'est-à-dire, ils montaient avec le bac. They went up with the boat. En haut et ils les amenaient. They went up and it took Mais them. Mais ils devaient avancer. But they had to go tu forward. Tu ne peux pas avancer tout en étant effrayé. You can't go with it. Not scared state all the Quand time. Tu es effrayé, c'est-à-dire que tu regardes au vent. It means that you're looking at the storm. Quand vous montez ces choses, when you're going up, il y a ceux qui se concentrent. There's something that en train de se filmer. That is filming en train de regarder comment ça fait. That's making how you feel. Ça donne la joie. It gives you joy. Dans votre chemin, mon frère et ma soeur, vous ne devez pas regarder à ce vent-là. You shouldn't look at these things. Mais vous devez regarder à l'Éternel. You need to just look at the Lord. C'est lui qui détient votre vie. He is the one that holds your life. C'est lui qui détient votre parcours. He is the one that holds your pathway. Et vous devez être vigilant. And you need to be vigilant. You need Parce to be careful. Parce que vous êtes l'armée de l'Éternel. Because you are in the army of the Lord. Hallelujah. Vous devez résister. You have to resist. Il est écrit. It's written. Le diable rôde autour de nous. The devil is around us. Cherchant qui dévorer. Looking who to devour. Qui est la personne qui peut te dévorer. He was the person that C'est quand tu croises le bras. It's when you cross your arm. Ça m'étonne parfois dans l'église. It shocks me sometimes in the church. Tu entends quelqu'un qui dit je prends congé un peu pendant ce temps. It surprises me when some people say oh, I'm going to take a holiday Mais, from church. Comment tu peux prendre congé pendant que nous sommes dans l'église? How can you take a holiday when we're in the church? C'est-à-dire quand toi tu prends congé spirituellement, tu fermes et la Bible et la prière, tout est fermé. So you take a spiritual break, so you close the Bible and stop praying, everything's closed. Amen. Il y a des gens qui prennent congé spirituel. There are people who take spiritual holidays. La Bible, on ne lit pas. The Bible, we don't read it. La prière, ça n'y est pas. Prayer, don't do it. Tu es toujours devant les nets. Comme aujourd'hui, actuellement, dans les nets, il y a n'importe quoi. You're only on the internet, but on the internet, there's so many useless things. C'est pas mauvais, c'est bien. It's not bad. Mais toutes ces choses, c'est l'essai de la bête qui arrive. But just know that there's stupidity coming. La bête qui arrive. Stupidity is coming. Et toi, tu te dis, je prends congé spirituel. Je prends congé spirituel. I'm taking a spiritual. Et quand il y a des problèmes, tu as peur parce que tu es en congé spirituel. All these bad things are happening to you because you're on a spiritual break. Tu ne peux pas prendre congé spirituel, mon frère et ma soeur. You can't take a spiritual holiday. Tu es dans l'église, tu dis, je n'ai pas encore servi le Seigneur. You're in church, you say, I don't want to serve the Lord anymore. Nous avons besoin que vous puissiez vous lever pour servir le Seigneur. We need you to stand up to serve the et Lord. Dieu t'a promis quelque chose. God promised something. Mais ça traîne, c'est parce que tu as abandonné le chemin que le Seigneur t'a dit d'emprunter. Amen. It's because you have stopped going on the way that God has told you to. Je bénis le Seigneur pour mes enfants qui sont là-bas. Parfois, il me dit, Papa Joël, aujourd'hui, nous-mêmes, nous allons nous occuper. I bless the Lord for our kids that are there. We say sometimes we're going to do it. J'ai dit, tu es déjà arrangé, vous ne touchez pas les boutons, vous prenez seulement ça. Say, okay, we don't touch the buttons. Mais tu as peur de quoi? But what are you afraid of? Mais tu dis, je ne vois rien. But tu ne vois rien, c'est parce que d'abord en toi tu es bras croisés. Because you, your Et arms puis, are crossed. Il y a des tempêtes. And there are storms. Maintenant, le Seigneur, comment est-ce que le Seigneur peut te délivrer? So how is the Lord meant to deliver you? Because you've left everything. L'église, tu abandonnes. Church, je ne vois pas les pasteurs chez moi.
Je ne vois pas telle sœur chez moi. Je ne vois pas, je ne vais pas voir tels enfants chez moi. I don't see this Donc tu abandonnes l'église. So you've abandoned church. Parce que quelque chose est arrivé. Because something came. Quelque chose peut arriver, mon frère et ma soeur. Something can come, brothers and sisters. C'est imprévisible. You cannot foresee these things. Mais cela ne peut pas te pousser à abandonner l'église. But that cannot push you to abandon church. Dans l'église, il n'y a pas d'amour. Non, il y a l'amour. In church, there's no love. Yes, there is love. Amen. Christ était là, c'était l'amour. Christ was there because of love. Frère, j'aimerais vous pousser à servir le Seigneur. I would like to push you to serve the Lord. Quelle que soit la situation. No matter the situation. Même 10 minutes que tu fais dans la prière, continue à le faire. Even the 10 minutes that you do in prayer, continue to do this. Au travail, prie le Seigneur. In work, pray to the Lord. Je vous ai dit que le 19 décembre, quelque chose m'est arrivé au travail. Something can happen to you at work on the... J'ai eu malaise au travail. I wasn't well at work on the 19th. Mais j'ai perdu le contrôle parce que le diable m'a présenté quelque chose de noir devant moi. But I lost control because I saw something black in front of me. On a appelé l'ambulance pour m'amener à l'hôpital à Queen Medical. They called the ambulance to take me to Queen Medical. Mais pendant que j'attendais l'ambulance, mon épouse me dit commence à prier. Mais quand elle me dit commence à prier, je dis que oh Seigneur, je commence à prier. So when my wife told me to start praying, I started to pray. Mais pendant que j'étais au flot. But when I was on the floor. Entouré par des malades. Surrounded Mais by managers, je voyais les noirs. I saw black. Prie mon frère et ma soeur. Pure black. Quelque chose imprévisible peut arriver. You cannot foresee these things. Mais ne recule pas. But do not avance toujours. Advance. Hallelujah. Dieu a dit à Paul. God said to Paul. Dans le livre des Actes chapitre 27. In Acts 27. La tempête vous allez traverser. The storm you are going through. Paul a rassuré aux autres. Paul reassured others. Bien-aimés, écoutez cette bonne nouvelle. Listen to this good news. Aucun de nous ne va pas mourir. None of us will die. N'ayez pas peur. Don't be afraid. Nous allons atteindre l'autre côté. We will get to the other side. Je voudrais te dire tu vas atteindre ton objectif. I would like to tell you you will get to your objective. Je voudrais te dire que tu vas te marier. I would like to tell you that you will get married. Je voudrais te dire tu vas voir les enfants de tes enfants. I would like to tell you that you will see the children of your children. Je voudrais te dire personne ne va pas t'enterrer maintenant. I would like to tell you that no one will bury you now. Je voudrais te dire tu vas terminer tes études. You will finish your studies. Je voudrais te dire que tu vas travailler. I would like to tell you that you will work. Je voudrais te dire que tu vas faire des business. I would like to tell you that you will become a business. Je voudrais te dire que tu vas évangéliser le monde. I would like to tell you that you will evangelize the world. Je voudrais te dire que tu vas parcourir le monde. I would like to tell you that you will travel the world. Dieu est avec toi. Because your Lord is mais with you. Rien, mon frère do et ma not be afraid, brothers and sisters. Il te rassure, mais crains rien. I assure you. Ta vie est entre tes mains. It's in your hands. Malgré l'imprévisible. Ne crains rien. There are things that you can't see. Don't be afraid. Cherche l'équilibre dans le Seigneur. Find balance in the Lord. La Bible dit. The Bible says. Tout concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Everything happens around the people who Hallelujah. Serve the Lord. Hallelujah. Tout concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Everything is well with those who Marche serve the Lord. Avec le Seigneur. Walk with the Lord. Troisième point. Third point. La tempête est inconfortable. The storm is uncomfortable. Ils étaient dans la barque. They were in the boat. Mais ils n'étaient pas à l'aise. They were not comfortable. Parce que c'était inconfortable. Because it was uncomfortable. L'eau se remplissait dans la barque. The water was filling the boat. Mais ils ont résisté. That they resisted this. Résiste mon frère et ma soeur. Resist, brothers and sisters. Accroche-toi à l'Éternel ton Dieu. Get closer to the Lord. Demeure debout. Stay stood up. Hallelujah. Demeure debout. Stay stood up. Ne marche pas la tête courbée. Don't go with your head down. Ton secours ne viendra pas ni de gauche ou de droite. Your salvation will not come from Mais left or right. Mais ton secours viendra de l'Éternel. But your saving will come from Accroche-toi the Lord. Accroche-toi à Jésus. Get closer to the Lord. Car il est écrit. Because it's written. Heureux ceux qui se confient à l'Éternel. Witness are those who confide in the Lord. Il est comme cet arbre qui produit. Because he is like this tree that produces. Le fruit dans tous les saisons. Fruits in all seasons. Hallelujah. Amen. Quand tu te confies dans le Seigneur. When you confide in the Lord. Oh bien-aimé, en toi même si tu as 1 pound, nous verrons la joie dans ta vie. Even if you have 1 pound, you will have joy in your life. Nous verrons la joie dans ta vie. We want to see joy in our life.
J'aime cette femme dans la livre des rois, je crois. I love this woman in 1 Kings. Elle a dit tout va bien. She said everything is well. Alors qu'elle avait son fils était déjà décédé. Even though her son was dead. Mais elle a marché avec son fils. But she walked with her son. C'était inconfortable. It was uncomfortable for Mais her. Elle a dit. But she said tout va bien. Everything is well. Elle n'a pas manifesté la tristesse. She did not manifest sadness. Elle a résisté. She resisted. Elle a porté son fils. She took her son vers l'Éternel. Towards the Lord. Elle a dit Seigneur. She said Lord. Moi je n'avais pas de fils. She said I did not mais have a son. Mais c'est toi qui m'as donné cet enfant. But you were the one who gave me oh, this child. Dieu a prié sur l'enfant. They prayed over the child. Et la vie est entrée. And life went là in. Là où il y a la mort, la vie entre maintenant au nom death, de Jésus. Life will come in the name of Jesus. Que au nom de Jésus reçois la vie. In the name of Jesus receive reçois life. Reçois la joie. Receive joy. Reçois la paix. Receive au nom de Jésus. In the name of Jesus Christ. C'est inconfortable la tempête. It is uncomfortable. Mais résiste au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus. Hallelujah. Le dernier point. The last point. La tempête est gérable. The storm is controllable. La tempête est gérable. It's controllable. Amen. Hallelujah. Amen. Oui, tu peux gérer la tempête. Yes, you can control the storm. Tu ne peux pas à perdre le contrôle. You can't lose control of the storm. Vous savez quand vous êtes dans l'avion. Do you know that when you're in the plane? Vous décollez. You take off. Il y a l'endroit où vous arrivez. There's the place where you're going to. On appelle ça l'endroit des troubles. They call this the trouble zone. Hallelujah. Amen. Cet endroit-là, bien-aimé, il y a ceux qui vomissent, il y a ceux qui poussent des cris. There are people that scream, who vomit. Ce n'est pas pour vous faire peur, vous qui n'avez jamais monté l'avion. It's not to make you afraid those who have never been on a plane before. Le pilote, il fait tout pour gérer. So the pilot does everything he can to control. Jusqu'à ce qu'ils vont traverser cet endroit de troubles. Until they will get out of this trouble zone. Alors, la tempête est gérable. So the storm is controllable. Quand il y a des tempêtes, when there is storms, demande à Dieu de vous donner la sagesse et l'intelligence de pouvoir gérer ce genre de choses. Ask God to give you the wisdom and intelligence to control these things. Amen. Tu ne peux pas arriver, Mary. You can't say amen. Tu sais? You know? J'ai pas dormi la nuit. Yeah, I didn't sleep tonight, you know. J'ai eu des problèmes sérieux. Oh, I had serious problems. Tu racontes des tout sauf de rien. You say things that are nonsensical. C'est bien. It's good. Mais est-ce que tu sais ce que tu es en train d'exposer? But do you know that what you're exposing? Do you know what you're exposing? Christ, on l'a arrêté. Christ, they arrested him. Quand on est allé dans le jardin là où il était. When they went in the garden where he was. On est allé l'arrêter. They went to arrest him. Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Jesus, what did he say? Je suis là. He said, I'm here. Mais laissez les autres. But leave the others. Est-ce que je me fais comprendre? Have I made myself understandable? Laissez les disciples. Leave the disciples. Mais moi, je suis là. But I am here. Je suis là. I am here. C'est-à-dire les choses sont gérables. That means things are controllable. Tu ne peux pas prendre tout téléphone et tu appelles les gens en Australie, tu alertes le monde. That means you don't have to alert the whole world about your problem. Tu es alerté parce que toi tu traverses telle chose. Because the whole world will be alerted because you're going through this specific storm. Tu peux gérer ça. But you can control this. Parce que Christ était là. Because Christ was there. Quand ils l'ont réveillé. When he woke up. Il les a regardés. He looked at them. Et il a dit, silence. Tais-toi. Quiet, be still. Il a géré la situation. He controlled the situation. Silence et tais-toi. Quiet, be still. Les problèmes, il y en aura toujours. The problems, there will always Mais be there. Mais il faut savoir gérer. But you need to know how to control. Ne pleure pas, ne pleure pas. Don't cry, don't be afraid. Ne cherche pas à te suicider. Don't look at the suicide. Il y a des gens qui sont prêts à se suicider. There are people who are ready to commit suicide. Parce qu'on lui a annoncé quelque chose. Because they've announced something to them. Comme il y a de cela 3 ans. Because they've had this for 3 years or 4 years. Une jeune maman à Londres de 25 ans. There was a woman in London for 25 years old. On lui a annoncé quelque chose. They announced something to her of the GP. On l'a dit, je m'excuse.
sur les mamans. On leur dit que à toi il y a quelque chose qui est au début. They said something is starting in you. Les choses qu'on lui a dit, c'était façon, il y avait une manière de gérer ça. They would think there were ways to control them. Mais cette femme-là, but this woman, elle s'est allée dans le métro, elle s'est jetée le même jour. So she went and killed herself the same elle day. Elle s'est suicidée. She committed suicide. Peut-être en toi, tu penses à te suicider. Maybe in you, you're mes amis, mes enfants. My children. Mais malgré à l'école qu'on est en train de vous boule. Maybe in school they're bullying you. On est en train de vous écraser. They're troubling you. Ne prends pas quelque chose qui est négatif. Don't take the negative aspect. Résiste, dis silence et tais-toi. Resist it, say quiet. Embrasse tes études. Gère ta situation. Control your situation. Gère tes études. Control your studies. Amen. Gère tes examens. Control your exams. Homme, femme, ça ne marche pas. Gérez la situation. Oh, this is not working. Control the situation. N'apportez pas vos problèmes, c'est d'autres. Don't weigh your problems. Mais gérez ça. But control them. Parce que Dieu vous a donné la sagesse et l'intelligence. Because God has given you wisdom and intelligence. Pour gérer ce genre de situation. To control these kind of situations. Jésus a dit silence, tais-toi. Jesus said, quiet, be still. Silence, tais-toi. Quiet and be still. La Bible dit, quel est cet homme à qui le vent et la tempête obéit. The Bible says, who is this man who the waves obey? La situation arrivera toujours. The situations will always come. Mais gardez votre foi. But stay in your faith. Il n'y a que Jésus qui a atteint la perfection. There's only Jesus that has perfection. Moi et toi, nous sommes en train de chercher à atteindre la perfection. You and me, we are searching to get to perfection. Je voudrais te dire quelque chose. I would like to tell you Abraham, something. Qui est notre père, Abraham, who il n'a pas atteint la perfection comme Jésus. He did not have perfection like Jesus. À cause de la faim. Because of hunger. Il voulait vendre sa femme en disant, tu dis seulement que tu es ma soeur. He said that to his wife that you are my sister. Elie, il a eu peur. Elijah was scared. Jezabel. Before Jezebel. Demeure dans la foi, mon frère et ma soeur. Dwell in faith. Malgré que tu as 5%. Even though you have 5%, tu as 4%. You have 4%. Résiste. Resist. Et gère cette situation. And control this situation. Ne crains rien. Don't be afraid of anything. Demeure fidèle à l'Éternel. Stay in faithfulness. Je vais terminer par ce chapitre. I would like to finish by this chapter. Le psaume 46. Psalm 46. Le verset 2 à 4. 2 to 4. Dieu est pour nous un refuge et un appui. Un secours qui se trouve toujours dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancèlent au cœur de la mer, quand leurs eaux grondent écumant, ébranlent les montagnes en se soulevant. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. En lisant ce psaume, this is song. Nous voyons que Dieu déverse toujours son amour sur nous. We see that God is always showing his love. Nous voyons que le secours de Dieu est sur toi. We see that the saving of God is with et dans cet secours, nous communions avec lui. And in this saving, we comment communions avec l'Éternel? How to communicate with the Lord? C'est quand tu as la parole de Dieu. It's when you have the word of God. Prends cette parole, va avec toi, mon frère et ma soeur. Take this word and go with it. Quelle que soit la situation que tu es the situation that you are il y a la solution dans cette parole. There is the solution in this tu word. Ne peux pas communier avec Dieu si tu ne médites pas cette parole. You cannot communicate with God if cette you parole not doit être word. Dans ta bouche. This word needs to cette, your mouth. Cette parole doit marcher avec toi. It needs to walk with you. C'est de cette manière que nous trouvons la sécurité. It is in this way that we find security. Nous trouvons la sécurité en Dieu à travers cette parole. We find security in God in through this word. Parce qu'il est Dieu. Because he is God. La Bible déclare. The Bible declares. Ne crains rien. Do not fear. Hallelujah. Amen. Nous demeurons en sécurité. We dwell in security. Et il nous garde dans l'amour. And he saves us in love. Et nous avançons avec lui. And we go advancing. Malgré la tempête. In spite of the storm. Malgré la tempête. In spite of the storm. Nous avançons avec lui. We go forward with him. Ne crains rien. Christ est là. Do not be afraid. Quelle est ta situation? What is your situation? Christ était là. Christ was there. Hallelujah. Amen.
Quel est ce genre de problème que tu traverses? What kind of problem are you going through? Christ est là. Christ is there. Son amour est là. His love is there. Sa bonté est là. His goodness is there. Commence à prier maintenant par rapport à cette situation.